Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif. Nous sommes mercredi, le 5 mai, 8h34 selon mon portable. Alors, bien bonjour tout le monde. Mon nom est Benoît Doré, je suis président du comité exécutif. J'en profite ce matin pour dire virtuellement bonjour à Madame la mairesse qui est là avec nous. Bonjour Madame la mairesse. Je suis ici, bien sûr, à la salle Peter McGill de l'Hôtel de Ville temporaire à l'édifice Lucien Saulnier, dans la salle ici du comité exécutif. Outre moi-même, il y a, dans le sens horaire, le greffier de la ville et directeur du service du greffe, Maître Yves Saint-Don. Bonjour, Maître Saint-Don. De la direction générale, Maître Domenico Zambito. Et également du cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Madame Gabriella Fanous. Alors, virtuellement, bien sûr, il y a tous les membres du comité exécutif. Nous avons quorum, c'est bien le cas, Maître Saint-Don. Nous avons quorum. Et puis, nous avons bien sûr la direction générale qui est là, comme à chaque mercredi. Donc, Monsieur Lamontagne, bien sûr, de même que les directeurs et directrices généraux et générales, adjoints et adjointes. Alors voilà, on va aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour. Les documents ont été transmis, comme d'habitude, hier en après-midi. Et à noter qu'il y a trois modifications. Nous aurons donc deux ajouts, que sont les dossiers, donc deux ajouts qui ont été prévus, donc hier avec la documentation afférente, 40.019, qui est une ordonnance pour permettre la consommation d'alcool à l'occasion de repas sur des terrasses mutualisées dans l'arrondissement de Ville-Marie. L'autre dossier qui a été envoyé également hier après-midi, 40.020, qui est d'adopter un règlement qui modifie le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir de décréter l'état d'urgence. Et nous ajoutons ce matin, séance tenante, la documentation va être disponible dans quelques minutes. C'est un dossier à la rubrique 30.008 et c'est une autorisation à la Société du Parc Jean-Drapeau de signer des cessions de bail et conventions de bail pour la Formule 1. Alors voilà, tel que modifié, des questions, des commentaires de la part des membres du comité exécutif. Je n'en vois pas. Alors voilà, c'est adopté tel que modifié. Alors on débute ça avec 20.001 qui est d'exercer la première option de prolongation pour un an à compter du 1er novembre prochain et autoriser une dépense additionnelle de 462 000 $ arrondis pour du déneigement dans le cadre des contrats accordés à Paysagiste Solarco, à la compagnie à numéro mentionné et aux entreprises Daniel Robert, donc qui est le lot 1, 2 et 3. C'est adopté. 20.002, un contrat à Robert Hydraulique pour l'acquisition de 8 fourgonnettes avec engin élévateur de 36 pieds avec aménagement pour 1,4 million de dollars arrondis. C'est adopté. 20.003, on va accorder trois contrats aux firmes mentionnées pour la fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien d'arbres pour les saisons 2021-2024. C'est adopté. 20.005, exercer l'option de prolongation pour la saison hivernale prochaine et autoriser une dépense additionnelle de 81 000 $ arrondis pour de l'équipement opéré pour le lieu d'élimination de la linge de l'Angelier dans le cadre d'un contrat qui avait été accordé au pavage d'Ancar. C'est adopté. 20.006, un contrat à Atterra Enviro Incorporé pour l'acquisition d'électrodes de Kemio pour le modèle mentionné. Pour l'analyse de la concentration du plomb dans l'eau, et ça, c'est pour 24 mois. C'est adopté. 20.007, une prolongation prévue au contrat mentionné avec la firme GFL Environnemental Incorporé pour le tri, le traitement, la mise en marché des résidus de construction, de rénovation, de démolition et des encombrants pour 33 territoires et 7 écocentres de l'agglo pour 12 mois. C'est adopté. 20.008, une première option de renouvellement pour la fourniture de stations de recharge avec accessoires d'installation des véhicules électriques. C'est adopté. 20.009, un contrat de gré à gré à PG Solutions Incorporées à compter du 1er juillet prochain pour 955 000 $ arrondis pour le renouvellement d'un contrat d'entretien et de soutien des applications de la solution Ludic. C'est adopté. 20.010,
exercer des options de prolongation pour une période de 2 ans, comptée du 31 mai prochain, et autoriser une dépense additionnelle de 398 000 $ arrondis pour de l'équipement télécom, qui inclut de l'assistance technique et de la formation dans le cadre d'un contrat que nous avions octroyé à Motorola Solutions Canada Incorporée. C'est adopté. 20-011. Accorder un contrat à la firme Axon Public Safety Canada Incorporated pour l'acquisition d'une solution d'enregistrement pour les salles d'interrogatoire du SPVM. C'est adopté. 20-015. Un contrat à Soma Métal Architectural et Structural Incorporé pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505, structure d'acier de la salle polyvalente pour l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est adopté. 20-016, conclure une entente cadre avec Pronex Excavation pour 3 ans pour l'exécution des travaux d'entretien du réseau de captage de biogaz et le rehaussement des puits au CESM. C'est adopté. 20-017, un contrat à la firme Axe Construction Incorporée pour la fourniture et l'installation de bancs de gradins au théâtre d'ouverture du parc La Fontaine. C'est un investissement de 1,5 million de $. C'est adopté. 20-018, un contrat à construction Viatech pour des travaux de voirie dans les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie. C'est adopté. 20-021, un contrat à l'entreprise Groupe DCR 92-82-07-86 Québec Inc. pour la réalisation des travaux de rénovation du poste de contrôle et de surveillance du biodôme. C'est adopté. 20-022, un contrat à service infraspec incorporé pour de la réparation ponctuelle de conduite d'égout secondaire de la ville. C'est adopté. 20-023, un contrat d'une durée approximative de 24 mois à Mofax électrique incorporé pour l'exécution de travaux électriques en régie contrôlée. C'est adopté. 20-024, un contrat à mécanique action pour l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau. C'est adopté. 20-025, un contrat à Meloche pour des travaux de voirie dans les arrondissements de Saint-Laurent, d'Anjou, de Lachine, de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et de Rivière-des-Prairies, Pointon-Trembles, de même que de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est adopté. 20-026, un contrat à Immobilier Belmont incorporé pour l'exécution de travaux de réfection de la dalle du garage, du drainage, de différents travaux aux ateliers municipaux au Rouen, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est adopté. 20-027, un contrat à gestion septem pour le remplacement du système de dépoussiérage de la menuiserie des carrières sans option de prolongation. C'est adopté. 20-028, un contrat à excavation Gricon pour des travaux de reconstruction d'égouts, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Laniel, de la rue de la Caserne au boulevard Gouin-Ouest. C'est adopté. 20-029, un contrat Bruno Électrique incorporé pour des travaux de voirie, de fabrication et d'implantation de fûts dans différents arrondissements. C'est adopté. 20-030, un contrat Saint-Denis-Thompson pour des travaux de maintien d'actifs au parc du Mont-Royal. C'est adopté. 20-031, un contrat à la piscine pour un montant de 143 718 $75 sous pour des services professionnels de gestion de coordination et d'accompagnement du parcours entrepreneurial, le cabinet créatif. La caméra de M. Luc Rabouin s'actionne. Alors, c'est à vous, responsable du dossier. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et tous. Donc, on le sait, le secteur des industries culturelles et créatives a été l'un des secteurs les plus durement frappés par la crise sanitaire. Plusieurs entreprises de ce secteur misent sur le déploiement de leur création à l'échelle internationale. C'est pourquoi la Ville de Montréal a mis en place le programme Cabinet créatif qui permet de soutenir 20 entreprises culturelles montréalaises par de la formation et de l'accompagnement dans leurs efforts de déploiement à l'étranger de leur création. Dans le contexte actuel, il est plus nécessaire que jamais de soutenir ces efforts de promotion à l'échelle internationale pour à la fois aider les entreprises là, très concrètement, mais aussi pour conserver l'attention des acteurs internationaux sur Montréal comme métropole créative. On a une réputation forte, on veut la maintenir, évidemment. Donc, pour coordonner la mise en œuvre des programmes d'accompagnement que la Ville met en place, on fait appel à des organismes partenaires. Pour le cabinet créatif,
L'an dernier, la ville avait confié le mandat à l'organisme à but non lucratif La Piscine, qui est le premier incubateur accélérateur d'entreprises dédiées au secteur des industries créatives et culturelles à Montréal et au Québec. L'expérience de l'année dernière a été fort positive, autant du point de vue de la ville que des entreprises participantes. Donc, on souhaite à nouveau leur confier le mandat là, pour l'édition 2021. La contribution de 143 000 $ de la ville s'inscrit dans un projet d'une valeur de 425 000 qui est soutenu notamment par Service Québec, la Société de développement des entreprises culturelles et Air Canada. Donc, une fois de plus, la ville investit en collaboration avec d'autres partenaires pour soutenir les entreprises montréalaises. On maximise ainsi l'utilisation des ressources de la ville qui servent de levier au service de la collectivité montréalaise. Merci beaucoup, Monsieur Rabouin, pour ces précisions. Alors, ça va bien, on continue. Excellent. 20031, c'est adopté. 20032, maintenant, c'est un contrat à la firme Groupe d'Esfand pour des services professionnels et techniques en foresterie pour 3 ans et c'est renouvelable pour une année supplémentaire. C'est adopté. 20033, c'est un contrat de gré à gré à Atomique 3 pour concevoir et réaliser des interventions multimédia artistiques pour l'événement Jardin de lumière au Jardin botanique, un événement extrêmement populaire. Je vois M. Posé qui veut en parler. Alors, M. Posé, allez-y donc. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole ce matin pour ce dossier. Alors, quelques mots sur ce fort bel événement qui est celui des Jardins de lumière, surtout ce matin. La température grise qu'on a, ça va nous faire du bien de parler un peu de lumière et de couleurs. Alors, d'abord, il s'agit de l'événement phare d'Espace pour la vie au Jardin botanique depuis maintenant 29 ans. C'est quand même pas rien. Donc, c'est un événement féerique qui ponctue l'automne des Montréalais dès la rentrée culturelle à chaque année. Et c'est ce qui permet également aux citoyennes et aux citoyens de redécouvrir les jardins culturels, les jardins botaniques à travers un environnement haut en couleurs. Donc, aux jardins de Chine, du Japon et des Premières Nations qui sont illuminés en toute authenticité en mettant en valeur les liens forts entre nature et culture, en plus de faire en sorte que chaque élément du parcours puise dans les racines profondes d'une riche culture au grand bonheur des 275 000 visiteurs accueillis en moyenne annuellement. Pour ces 2 mois de lumière, c'est quand même assez fantastique. Aussi, l'événement ayant dû être annulé en 2020, évidemment aussi en raison de la COVID, c'est très important pour notre administration de profiter de la relance de la métropole qu'on fait cette année pour revamper ce grand rendez-vous culturel, pour offrir un événement spectaculaire et plein de sens aux Montréalais qui en ont bien besoin après cette longue année éprouvante, on le sait toutes et tous. Vous me permettrez d'insister sur le fait que l'un des faits saillants du contrat est la bonification de la mise en lumière du Jardin des Premières Nations, tout en finesse et de manière authentique, en collaboration avec des artistes, autochtones. Également, le contrat comporte aussi l'ajout d'un pôle et une amélioration du parcours de visite qui va mettre en valeur le travail d'artistes québécois et québécoises dans un contexte de relance du secteur culturel bien de chez nous. On en est effectivement bien heureux et heureuse. Je ne pourrais pas passer sous silence l'importante contribution de notre partenaire, qui est la Fondation Espace pour la vie, qui, par le biais d'un don de Rio Tinto pour les projets d'Espace pour la vie et en lien avec les Premières Nations, va contribuer à la hauteur de 125 000 $ à ce bel événement, ce qui est quand même pas rien. Alors, en terminant, permettez-moi de rappeler que Jardin de lumière aura lieu cette année du 3 septembre au 31 octobre 2021. Alors, ce sera un plaisir d'y croiser l'ensemble des Montréalaises et Montréalais qui sont assoiffés de culture tout en lumière. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Posé, pour en fait, le fait de pouvoir permettre ce gré à gré et vraiment avec une expérience qu'on a hâte de voir et de se voir renouveler. Alors, un événement extrêmement populaire pour toute la famille. Alors, 20033, c'est fait, c'est adopté. 20034, maintenant, c'est 2 ans de cadre avec conseiller en gestion et informatique, CGI. Pour la fourniture de prestations de services de développement du tableau de bord QlickSense Enterprise et pour de la prestation de services d'ingénierie de la donnée Python.
pour 24 mois à compter du 20 mai prochain avec deux options de prolongation de 12 mois chacune. C'est adopté. 20-035, approuver l'entente à intervenir entre la Ville et Hydro-Québec pour autoriser Hydro à réaliser, dans le cadre du projet de construction du poste des Irlandais, des travaux requis afin de débuter les opérations cadastrales et les travaux de réhabilitation des sols et de construction sur un terrain tel que mentionné. C'est adopté. 20-036, demander au MAMASH, de même qu'au gouvernement du Canada, de procéder à l'annulation des demandes d'aide financière au numéro mentionné du programme FIMO, ainsi que des protocoles d'entente intervenus pour ces dossiers, de réactiver les deux dossiers mentionnés. C'est adopté. 20-037, c'est approuver l'entente entre la SAAQ et la Ville de Montréal qui prévoit la communication au SPVM de renseignements relatifs aux conducteurs et aux véhicules qui ne peuvent légalement circuler sur le réseau routier. Et ça, c'est au moyen du SRPI. C'est adopté. 20-038, accepter une contribution financière de 3 307 $ du ministère du Patrimoine canadien. Et c'est pour la tenue d'une mission sur l'Anthropocène dans l'espace muséal. C'est adopté. 20-039, approuver l'entente entre le Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal pour l'allocation de la partie profonde du bassin aquatique pour 3 ans à compter du 1er janvier prochain. C'est adopté. 20-040, approuver une convention de bail au terme de laquelle le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal loue de l'arrondissement d'Outremont le local du 544 avenue d'Avard à Outremont. C'est adopté. 20-041, approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Microcrédit Montréal pour 3 ans, compté du 1er juin prochain, les locaux mentionnés du 3680 rue Jeanne-Mance. C'est adopté. 20-042, une contribution financière de 95 000 $ à bâtir son quartier pour les soutenir dans la mise en œuvre d'un projet pilote d'acquisition collective d'un immeuble non résidentiel. C'est adopté. 20-044, une contribution financière au Centre de la Montagne pour la réalisation de son projet Parole de paysage dans le cadre de l'entente mentionnée pour la somme maximale de 201 450 $. C'est adopté. 20-045, maintenant un soutien financier qui totalise 630 000 $ à la Cité des arts du cirque pour la 12e édition de Montréal complètement cirque. Madame Popianou, vous voulez nous en parler puisque la caméra s'active. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je tenais seulement à rappeler que Montréal complètement cirque reste le plus important festival dédié au cirque contemporain en Amérique du Nord. Et les résultats, en tout cas avant la pandémie, sont là. Donc, le festival a attiré en moyenne 400 000 festivaliers. C'était un événement et ça, on souhaite qu'il reste un événement très important. Et cet événement contribue activement à positionner Montréal comme capitale internationale des arts du cirque, mais tout en dynamisant les quartiers de la ville pendant 11 jours. Ça part du quartier Saint-Michel jusqu'au pôle du quartier latin du quartier des spectacles. Donc, même cette année, scénographie immersive, spectaculaire. On a envahi la rue Saint-Denis entre Maisonneuve et Ontario. Et bien sûr, avec des performances surprises un tout petit peu partout. Un pôle festif à la Tolu. D'ailleurs, on va avoir la chance d'avoir 7 spectacles tarifés, donc 60 représentations en salle ou sous le chapiteau. Une tournée des quartiers, des capsules vidéo. Écoutez, une programmation absolument extraordinaire. Donc, je tiens à rappeler le dynamisme de toute l'équipe de programmation et la richesse de leur démarche, même dans les conditions extrêmement difficiles de la pandémie. Et tel que promis, bien sûr, que l'administration de Mme Plante a maintenu le soutien malgré l'incertitude du contexte, car nous croyons sincèrement à l'importance de cet écosystème événementiel de Montréal. Donc, Montréal est une ville de festival, on le sait, nous en sommes très fiers, nous souhaitons la garder ici, et voilà pourquoi notre soutien est si important. Montréal est aussi une ville reconnue à l'international pour son talent, son expertise,
au niveau des arts du cirque. Donc, merci encore une fois aux artistes surtout, et j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Popeanu. Alors, on va de l'avant avec le dossier 20045, Bon Festival. 20046, maintenant, c'est un projet d'addenda 1 à la convention initiale que nous avons avec le Carrefour d'alimentation et de partage Saint-Bernabé, de même qu'avec Porte ouverte Montréal. On vient reporter la date de fin des conventions, respectivement, au 31 juillet 2021, et un soutien additionnel également qui totalise 150 000 $. Monsieur le Président? J'entends je vois Mme Goulet, j'imagine, puisque oui? C'est elle qui est responsable du dossier. Oui, vous voilà. Bonjour, Mme Goulet. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais vous en dire quelques mots aujourd'hui. Alors, on est vraiment très heureux ce matin d'accorder un soutien supplémentaire à deux organismes qui sont essentiels dans l'aide aux personnes en situation d'itinérance, qui va leur permettre de prolonger leurs mesures hivernales jusqu'au 30 juin prochain. Premièrement, donc, un ajout de 100 000 $ pour un total de 200 000 $ jusqu'à maintenant à l'organisme Le Cap Saint-Barnabé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour opérer la ressource d'hébergement d'urgence à l'Arena et à l'ancien Y Hochelaga qui accueille jusqu'à 115 personnes chaque soir. Deuxièmement aussi, 50 000 $ de plus pour un total de 100 000 $ jusqu'à maintenant à l'organisme La Porte ouverte, aussi appelé Open Door, sur le plateau Mont-Royal, qui va pouvoir continuer d'offrir une halte chaleur de soir et de nuit à une trentaine de personnes en situation d'itinérance d'origine autochtone, principalement Inuit, et donc un service 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui est essentiel à cette communauté. Alors, ce soutien, ce matin, s'ajoute à un soutien général d'1,2 million de $ qu'on a déjà octroyé cet hiver à une dizaine de services d'hébergement d'urgence, de halte chaleur, non seulement au centre-ville, mais pour la première fois dans plusieurs arrondissements du nord ou de l'ouest de Montréal. Ces services sont également, je le rappelle, adaptés à différentes populations itinérantes et toujours en respect des mesures sanitaires. En tout, je le répète, 1700 places d'hébergement sont offertes chaque soir depuis des mois, soit près du double d'avant la pandémie. C'est donc un travail de collaboration de tous les instants avec un ensemble de partenaires communautaires, gouvernementaux et des fondations également. Et on peut être vraiment très fiers du leadership que notre administration joue dans ce dossier, dans ce contexte si particulier d'urgence que l'on vit. Alors, les organismes communautaires qui sont porteurs de ces projets-là font un travail sans précédent pour soutenir les grands besoins au sein de la population en situation d'itinérance à Montréal. Et on les remercie encore une fois de leur contribution exceptionnelle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Goulet. Effectivement, on remercie un travail plus qu'essentiel. 20046 est donc adopté. 20047, maintenant, c'est 75 000 $ à Techno-Montréal pour l'organisation d'expériences technologiques Campus Parité Montréal qui va se tenir les 5, 6 et 7 novembre prochains. C'est adopté. 20048, maintenant 105 000 $ au Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean incorporée pour la 187e édition de la Fête nationale du Québec à Montréal. Oui. Madame Popeanu. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à intervenir sur ce dossier décisionnel parce qu'on doit tenir compte des enjeux qui sont liés à la crise sanitaire et du fait que le gouvernement du Québec désigne toujours la grande région de Montréal comme une zone rouge. Mais voilà, le comité de la fête nationale de la Saint-Jean souhaite contribuer activement à la relance culturelle de Montréal, mais aussi à sa relance économique. Donc, l'organisme nous a proposé une édition résiliente, innovante, en vue de faire rayonner Montréal et générer un impact économique et social qui est absolument nécessaire dans ce contexte particulier, ainsi qu'à la reprise de l'industrie culturelle dans la métropole, incluant son centre-ville. Donc, le soutien financier au comité de la Fête nationale du Québec reste essentiel pour poursuivre la mission de cet organisme, mais aussi pour célébrer et promouvoir
la fierté des Québécoises et des Québécois par leur histoire, leur langue et bien sûr la culture du Québec. Je rappelle d'ailleurs l'adoption à l'unanimité lors du dernier conseil municipal d'avril d'une déclaration pour réitérer notre engagement et notre souhait aussi de voir la grande cérémonie télévisuelle montréalaise revenir l'année prochaine. Monsieur le Président, si vous me permettez, parce que les points qui s'en suivent, je tenais à aussi souligner quelques faits, est-ce que vous me le permettez? Oui, allez-y, tout à fait, Madame Papiano, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, en 2049, on accorde un soutien financier totalisant 325 000 $ à l'organisme Francophonie de Montréal pour l'organisation de la 32e édition des Franco de Montréal 2021. Donc, vous savez, compte tenu des enjeux liés à la pandémie et le fait que nous sommes encore en zone rouge, et l'organisme a pris tous les moyens pour nous offrir une 32e édition des Francofolies, donc une belle, belle édition, puisque à l'automne 2020, quand l'organisme a réalisé en réalité une édition spéciale avec un contenu hybride, souhaité en réalité pallier les exigences de la santé publique. Alors, c'est pour ça que c'est le 32e et l'année dernière, on a eu une édition spéciale. Donc, ceux qui s'inquiètent qu'on a manqué une édition, non, on ne l'a pas manqué. Donc, notre soutien financier à l'organisme reste et on souhaite poursuivre la mission, donc assurer la pérennité de cet organisme, puisqu'on le sait, Montréal est une métropole francophone des Amériques et la métropole francophone des Amériques, mieux dit, et nous en sommes très fiers. Et nous travaillons au quotidien pour mettre en valeur notre belle langue. Donc, malgré le contexte très difficile qu'on a traversé, nous continuons à travailler avec les festivals, comme d'ailleurs l'équipe des Francophonies, pour assurer une programmation qui est la plus accessible et qui peut attirer un grand nombre des Montréalaises et des Montréalais. Donc, je vous invite à suivre la programmation. Vous aurez des événements extraordinaires, de participer à cette grande fête qui met à l'honneur l'univers musical francophone. Et en 2050, donc il s'agit d'accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à l'organisme Festival du Nouveau Cinéma de Montréal pour l'organisation de la 50e édition de ce magnifique Festival du Nouveau Cinéma 2021. Donc, il faut fêter, quoi, 50 ans, souffler les 50 bougies, ça se fait. Et malgré la crise de la COVID, le festival est déterminé à célébrer cet anniversaire historique avec beaucoup de feu, d'audace, de créativité, tel qu'on le connaît. Donc, le festival aurait des présentations hybrides, en ligne, des grandes nouveautés qui incluent aussi la mise en place du premier marché international de coproduction en partenariat avec le Luxembourg et l'accueil de prix Audencia en collaboration avec Eurimage qui est remis pour la première fois au Québec pour récompenser une femme réalisatrice de la programmation. Donc, un autre bel événement, on invite les Montréalais, une ville, une métropole vivante. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'invite tous les Montréalais à participer à ces événements. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Papiano. Alors, les dossiers sont donc tous adoptés. On serait maintenant rendu à 20.052, soit d'adopter une résolution qui vise à remplacer l'acte de session de rang prévu au point 1 et 2 de la résolution mentionnée par un nouvel acte de session de rang dans le cadre de l'aide financière de maximum de 5,3 millions que nous avions octroyé à Util Angus. Voilà, c'est adopté. On est en 30 maintenant, 30.001, désigner les secteurs de la rue Jean-Talon-Est entre Dollier et Val-d'Ombe, ainsi que de la rue Sainte-Catherine-Est entre de Bourbonnière et Villot pour le programme Artère en transformation. C'est adopté. 30.002, déléguer au conseil municipal les responsabilités de gestion et de réalisation des travaux de construction d'une conduite de 900 mm sous dollars dans la salle. C'est adopté.
30-0003, accepter la délégation du conseil d'agglo, les responsabilités de gestion et de réalisation des travaux de construction de 900 mm sous l'avenue Dollard à La Salle. C'est adopté. 30-004, autoriser la modification du calendrier de réalisation des voies cyclables temporaires dans les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine et modifier la portée des aménagements de la rue Saint-Antoine. C'est adopté. 30-005, renouveler le mandat de Mme Micheline Van Herom à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal pour 4 ans. C'est adopté. 30-006, autoriser un virement budgétaire de 86 400 $ pour l'année 2021 en provenance des dépenses contingentes et prévues d'administration locale et un ajustement budgétaire de 110 500 $ pour les années 2022 et 2023 vers l'Ombudsman de Montréal. Ensuite, en 30.008, c'est d'autoriser la société du Parc Jean Drapeau à signer la cession du bail bureau administratif en date du 15 novembre 2019 par groupe de course Octane à la compagnie mentionnée. La cession de la convention de bail modifiée et mise à jour concernant la location du circuit Gilles Villeneuve en date du 31 octobre 2017 par groupe de course Octane à la compagnie mentionnée. C'est adopté. On est en 40 maintenant. 40.002, c'est d'adopter un règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation d'un bâtiment destiné à des personnes ayant besoin d'hébergement sur un emplacement identifié comme étant le lot mentionné. C'est adopté. 40.004, adopter le règlement qui modifie le règlement intérieur du Conseil d'agglo sur la délégation de pouvoir au Conseil d'agglo au comité exécutif dans le cadre de l'initiative de création rapide de logements. C'est adopté. 40.005, adopter le règlement qui modifie le règlement sur les tarifs pour modifier l'article 45 pour ajouter la biosphère aux institutions d'espace pour la vie. On ajoute les tarifs de forfait pour 5 institutions et on ajoute les tarifs de location des espaces de la biosphère à l'annexe 2. C'est adopté. 40.006, adopter le règlement qui modifie le règlement établissant le programme de soutien financier visant à soutenir des commerces montréalais dans le cadre de campagne de sociofinancement. C'est adopté. 40.008, un règlement d'emprunt de 43,3 millions de $ pour le remplacement de véhicules et d'équipements, de même que des tests et de l'intégration de produits éco-responsables. C'est adopté. 40.009, un règlement d'emprunt de 51 millions de $ pour financer le remplacement de véhicules et d'équipements ville, SPVM et CIM. C'est adopté. 40.010, un règlement d'emprunt de 1,6 million pour le remplacement des équipements liés à la sécurité incendie. C'est adopté. 40.011, un règlement d'emprunt de 65 942 000 pour le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la construction d'équipements aquatiques intérieurs. Et j'ai M. Posé qui veut en parler. C'est à vous, M. Posé. Alors, merci beaucoup encore, M. le Président, de donner la parole à nouveau ce matin, cette fois-ci à titre de responsable des dossiers en loisirs et en sport. Je suis très content. Donc, la pandémie dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'un an maintenant a démontré plus que jamais l'importance du loisir avec un grand L comme service essentiel dans la vie des citoyennes et des citoyens, notamment le loisir sportif, actif et de plein air, sont plus essentiels que jamais pour la préservation de la santé, tant physique que mentale et sociale, de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et parmi les services de loisir appréciés et essentiels à la population, on compte les programmes aquatiques au sein d'installations de qualité. Et le développement d'air aquatique dans nos quartiers est d'autant plus important depuis les dernières années et pour l'avenir, où nous devons mettre tout en œuvre pour développer des îlots de fraîcheur dans le contexte de lutte au changement climatique, que nous vivons et qui constitue, on le sait, une priorité de tous les instants pour notre administration. Alors, avant notre arrivée, il y avait le plan d'intervention aquatique de Montréal qui suit toujours son cours. Mais comme toujours, notre administration est allée encore plus loin en créant le programme aquatique de Montréal, le volet construction. Et ainsi, le règlement d'emprunt que nous votons ce matin nous permettra de continuer à construire des plans d'eau intérieurs de grande qualité aux quatre coins de Montréal pour accroître la qualité de vie des citoyens et des citoyens, tant des enfants que des adultes et bien sûr, nos citoyens et citoyennes aînés. Ce programme nous permettra de voir cette année notamment l'ouverture tant attendue du complexe aquatique Rosemont. Il nous permet aussi d'aller de l'avant avec la construction du complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro.
Ce sont donc d'excellentes nouvelles pour tous les Montréalais et les Montréalaises que ce règlement d'emprunt. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. Posé. Alors, on va de l'avant avec le règlement d'emprunt, ce qui va permettre effectivement aux arrondissements de pouvoir moderniser tout ça. Alors, 40-012, maintenant, c'est un règlement d'emprunt de 5 674 000 $ pour financer l'acquisition, l'installation et la restauration d'œuvres d'art publiques, que ce soit des projets d'immobilisation prévus au PDI. C'est adopté. 40-013, un règlement d'emprunt de 80 millions de $ pour financer les acquisitions d'immeubles et des travaux qui visent la protection des milieux naturels dans les parcs à caractère régional. Monsieur Baudry, vous êtes tout sourire. Bien sûr que je suis tout sourire. On se donne les moyens, Monsieur le Président. Depuis le début, notre administration, on le dit, on le répète, on a des priorités qui sont très clairement identifiées, l'habitation, mais aussi les espaces verts. On avait prévu dans notre dernier PDI que vous avez présenté, Monsieur le Président, l'année dernière, 240 millions en investissement pour l'acquisition de nouveaux espaces verts, des espaces verts qui permettront aux Montréalais de pouvoir profiter de la ville autrement aussi, mais qui va profiter aussi à la ville pour qu'elle soit plus résiliente face au changement climatique. Donc ici, c'est 80 millions de $, c'est un très, très gros montant qu'on vient en règlement d'emprunt. Et tout de suite après, sur l'autre point, 15 millions de $, qui sera pour l'achat de territoire en dehors de la périphérie des grands parcs, c'est le fait de pas aller à la guerre avec un tire-poids. Parce que quand on est en compétition avec des entreprises privées qui veulent développer sur des espaces verts, il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions aussi. Parce que la ville est en compétition et la ville est limitée, je veux dire, au niveau de son territoire. Donc, chaque parcelle de territoire devient très, très, très importante. Et il faut se donner ces moyens-là de pouvoir agir très, très rapidement. On a effectivement des nouveaux outils comme le droit de préemption, mais il faut qu'on réagisse très rapidement. Donc, ces montants-là réaffirment encore une fois le fait que la ville et surtout notre administration, on est sérieux dans l'acquisition d'espaces verts et que ce n'est pas que des paroles, mais ça va être des gestes. Et ça a été des gestes et ça continuera d'être des gestes d'acquisition pour maintenant, pour tout de suite, mais aussi pour l'avenir de Montréal. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, on va de l'avant, 40.013. 40.014, maintenant, c'est un règlement d'emprunt de 15 millions de $ pour financer les acquisitions d'immeubles et des travaux qui visent la protection des milieux naturels. C'est adopté. 40.015, le règlement d'emprunt de 19,3 millions de $ pour des travaux de rénovation de l'hôtel de ville de compétence municipale. En 40.016, 14,9 millions de $, la même chose, mais cette fois de compétence d'agglomération. C'est adopté. 40.017, on va approuver les règlements d'emprunt de la STM de 920 925 $ pour financer le projet Programme de réfection des infrastructures surface, phase 2. C'est adopté. 40.018, approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal du règlement mentionné de la ville de Beaconsfield. C'est adopté. En 40.019, c'est d'édicter une ordonnance pour permettre la consommation d'alcool à l'occasion d'un repas sur les terrasses mutualisées installées sur le domaine public dans l'arrondissement de Ville-Marie dès que les autorités de santé publique le permettront. C'est adopté. 40.020, c'est adopté le règlement qui modifie le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir de renouveler l'état d'urgence. C'est adopté. On s'en va dans la dernière rubrique d'information. En 60.001, on va déposer au conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatifs à l'exercice des activités déléguées qui concernent la gestion des matières résiduelles de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est déposé. 60.002, déposer les documents intitulés « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise, inventaire 2016 et inventaire 2017 ». C'est fait. 60.003, déposer un rapport d'activité 2020 du Conseil des Montréalaises. C'est déposé. 60.004, cette fois, c'est celui du Conseil interculturel de Montréal. En 60.005, celui du Conseil jeunesse de Montréal.
En 60.006, c'est de prendre connaissance du rapport annuel 2020 du conseiller à l'éthique et à la déontologie des élus et du personnel du cabinet de la Ville de Montréal. Et nous avons fait le tour des points à l'ordre du jour. Alors, on termine ça en beauté avec la chronique hebdomadaire de notre mairesse. Madame la mairesse, ça va être à vous, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, c'est un plaisir, comme toujours, d'être avec vous ce matin. Quelques nouvelles. Tout d'abord, sur la situation sanitaire, ben, on le sait, c'est toujours stable à Montréal et je vous cacherai pas la grande satisfaction. Et je pense que tous les Montréalais et Montréalaises sont comme moi, comme nous. Hein, on souffle un peu, on retient notre souffle, mais ça regarde, excusez-moi, c'est un anglicisme, mais ça augure bien. Ceci étant dit, il faut continuer nos efforts. Et bien sûr, je vous invite tous et toutes à aller vous faire vacciner. D'ailleurs, quelle belle nouvelle que cette ouverture pour la vaccination pour la population générale. Il y a des vraiment aller se faire vacciner là, c'est quand même on peut prendre rendez-vous de différentes en allant sur Clic Santé, puis on peut aller en pharmacie, on a les centres de vaccination qui sont un peu partout. Et à partir de la mi-mai, ben même l'aéroport Montréal-Trudeau sera un site de vaccination à l'auto. Je tiens d'ailleurs aussi à remercier tout le travail du réseau de la santé. Ce matin, on apprenait là, la population a pu prendre connaissance d'un projet qui est d'ouvrir des centres de vaccination dans différents lieux dans la communauté pour vraiment faciliter la vaccination de groupes qui étaient sous-représentés dans la vaccination. Alors, bravo à tous, au CIUS, bien sûr, je pense à la santé publique, au docteur Drouin et son équipe qui réfléchit beaucoup à l'extérieur de la boîte pour vraiment être capable de cerner les enjeux spécifiques à la ville de Montréal. On est une grande ville, parce qu'on a une communauté diverse. Alors, il faut vraiment pouvoir trouver des façons. Alors, bravo au CIUS de s'adapter. On apprenait qu'il y avait une clinique de vaccination dans une mosquée, dans le parc extension. Quelle bonne idée. Faut aller vers les gens. Sinon, de la santé publique, je veux vous parler de la sécurité publique. Comme moi, je sais que vous êtes extrêmement préoccupés par l'augmentation des événements, des incidents violents dans l'est de Montréal, particulièrement là dans Rivière-des-Prairies. J'étais d'ailleurs hier sur place avec ma collègue, la mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Madame Caroline Bourgeois, qui est également responsable de la sécurité publique au sein de notre administration. On est allé rencontrer des organismes communautaires. D'ailleurs, je remercie le phare de nous avoir accueillis. C'est vraiment très intéressant parce que on est allé rencontrer des organismes parce qu'ils font bien sûr partie de la solution pour enrayer cette montée de la violence. Le travail communautaire, et vous savez, on a investi $1 million récemment pour aider justement les organismes communautaires terrain, autant dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Saint-Michel. Pour nous, c'était important de le faire. Aussi, on a travaillé, on a bien sûr, on est en contact constant avec le service de police de la Ville de Montréal qui a augmenté le nombre de policiers dans le secteur. Mais n'oublions pas également qu'il y a cette escouade que nous avons annoncée, le SPVM et la Ville de Montréal, l'escouade ELTA, qui est l'escouade de lutte contre le trafic d'armes. Et ils font un travail très fort, évidemment. Ça bat son plein. Il y a eu des situations qui ont été nommées ou du moins qui ont ELTA a pu aller de l'avant en approfondissant parce que c'est vraiment un des concepts qu'on voit en ce moment, c'est qu'on s'éloigne un peu des groupes organisés qu'on connaissait d'habitude et là on est plus dans de nouvelles réalités liées au trafic d'armes. Vous savez, je suis très engagée contre le port d'armes. C'est une revendication que je porte haut et fort auprès du gouvernement fédéral également pour que les armes de poing soient interdites au Canada et bien sûr à Montréal, mais partout à travers le Québec également. Hier aussi, avec ma collègue Caroline Bourgeois, on est allé rencontrer le père de famille qui a été dont la voiture a été touchée par des balles lors d'un événement impliquant une arme en fin de semaine et vous comprendrez que c'était bien sûr tout notre soutien
va aux familles parce que c'est le genre d'événement que l'on souhaite. On ne veut pas qu'il se produise, surtout pas dans un quartier aussi résidentiel avec beaucoup de familles. Alors, je tenais à offrir mon soutien à ce père de famille qui a eu la grande générosité de me rencontrer, d'échanger sur sa perception, ce qu'il a bien sûr vécu, lui et ses enfants, mais également des pistes de solutions. En ce sens, le travail se continue également à d'autres niveaux. Je parlais du fédéral au niveau du port d'armes, mais il se passe également au provincial. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, qui est la responsable de la sécurité publique. Et parce qu'on cherche toujours des solutions. On a travaillé très fort ensemble pour augmenter les budgets alloués aux escouades mixtes, une formule qui marche très, très bien à Montréal. Je vous parlais d'Elta tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment d'unir nos forces ensemble, les différents paliers de gouvernement, avec les pouvoirs que l'on a, en travaillant bien sûr les services de police, mais également avec les organismes communautaires pour vraiment avoir une force de frappe importante, si je peux dire. Donc voilà, sachez que nous sommes extrêmement préoccupés et on continue d'agir directement sur cet enjeu. Maintenant, un autre dossier dans l'Est, mais celui-ci qui est complètement ailleurs, aussi également très, très positif, bien, c'est le REM de l'Est. J'étais en conférence de presse hier avec la ministre Rouleau ainsi que M. Arouchitilian de la CDPQ Infra et Mme Cohen, qui est la nouvelle présidente du comité aviseur pour le REM de l'Est. Vous le savez, le REM de l'Est, on y croit, on le souhaite. Ça va être c'est un projet majeur pour venir décloisonner le Grand Est, hein, parce que ça va bien sûr jusqu'à la pointe de l'île et ça va se rendre à Montréal-Nord également. Et vous savez, la mobilité a toujours fait partie de nos priorités. Pour nous, c'est bien sûr c'est une dépense, mais c'est d'abord et avant tout un investissement majeur qui va permettre de venir, je le disais, décloisonner des quartiers, mais également offrir des offres de mobilité, de développement économique, de développement d'habitation à des quartiers qui sont moins nantis à ce niveau-là. Alors, vraiment, les opportunités incroyables. Alors, toujours été en faveur du projet du REM de l'Est, mais il y avait, dans les conditions gagnantes que nous avons partagées dès le départ, il y avait celle de la consultation et de la grande transparence des données, ce à quoi la CDPQ a acquiescé, mais également un comité aviseur qui prescriptif. Ça veut dire que le comité aviseur qui est formé de 15 personnes annoncées hier va donner les balises, va étudier certains éléments qui va affecter directement le cadre architectural. Et ça, c'est important qu'on ait une idée de ce qu'on veut faire avant que les ingénieurs mettent tout ça en place. Alors, c'est au début du processus qu'il faut avoir ce genre de discussion. Et là, le comité aviseur qui, encore une fois, on y tenait que ce soit des pouvoirs directs qui puissent influencer, mais donner vraiment des recommandations à la CDPQ parce que cet ouvrage doit être magnifique, mais il doit aussi s'insérer dans les milieux de vie. Et je pense qu'à ce niveau-là, notre équipe, notre administration est la mieux placée pour mener à terme ce projet parce que, oui, l'offre de mobilité est primordiale, mais cette compréhension des enjeux liés à l'insertion dans des milieux urbains, c'est définitivement, ça fait partie de notre ADN, mais de nos préoccupations depuis toujours. Ça, je pense que c'est un gage de réussite. Enfin, parlant de gage de réussite dans l'habitation, vous le savez, pour nous, ça a toujours été, c'est une priorité. Cet après-midi, je vais annoncer avec la ministre Laforêt et le ministre de Madame Laforêt, qui est responsable de l'habitation au sein du gouvernement du Québec, mais aussi Monsieur Hussein, qui est le ministre responsable au fédéral pour l'habitation. Il y a une annonce importante et surtout nécessaire pour la rénovation de HLM à Montréal. On a à peu près 300 HLM logements qui sont barricadés à Montréal. Ça, c'est très dommage parce que quand on sait qu'on a à peu près 25 000 ménages sur une liste d'attente pour du logement social, ça n'a pas de sens que ces logements ne soient pas accessibles. Alors, l'annonce de cet après-midi va nous permettre de rénover ces logements-là et de faire évidemment ceux qui sont barricadés, mais également ceux qui ont besoin d'amour. Parce qu'on sait, des bâtiments, il faut que ça soit
on doit s'en occuper au fur et à mesure. Évidemment, ce n'est pas la seule solution et notre administration a toujours été très ambitieuse au niveau des cibles d'habitation. Il faut un coffre d'outils bien rempli. Donc, la rénovation en est un. Le deuxième, c'est la rénovation, c'est la création de nouveaux logements sociaux, un combat ou en tout cas quelque chose qu'on est définitivement dévoué à remplir. Je pense à notre offre, notre proposition de 12 000 logements abordables et sociaux. Et d'ailleurs, de créer de nouveaux logements abordables pour la classe moyenne, ça aussi, c'est important. De là, l'importance de nos 12 000 logements, mais également du règlement 2020 qui nous donne des outils. Alors, moi, j'aime dire que on peut pas attendre seulement après Québec et Ottawa pour faire du logement abordable et social. La Ville de Montréal a décidé de participer activement et le 2020 est effectivement une solution toute montréalaise, une décision qui a été prise pour que la Ville soit proactive. Et là, maintenant, ça nous permet de travailler encore plus avec le fédéral et le provincial pour aller chercher les sommes de développement. Mais très enthousiaste par rapport à ce coffre à outils que notre administration a mis en place et continue de mettre en place. Finalement, demain, je vais être encore en habitation parce que justement les besoins sont grands, bien que certains diront qu'il n'y a pas de crise du logement à Montréal, de logement abordable, ou même de logement pour les moins nantis. Eh bien, la réalité est tout autre sur le terrain. Alors, je serai accompagnée de Samoa demain, le directeur général de la mission Bon Accueil, pour faire une mise à jour sur les constructions de logements sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, pour nous, ça a toujours été une priorité. Et les chiffres démontrent l'importance d'y accorder autant d'énergie et de ressources financières, ce que notre administration n'a pas hésité à faire. Finalement, vendredi, une sortie avec mon collègue Luc Rapoin, qui est responsable du développement économique au sein de notre administration, concernant les aides financières pour les propriétaires de bars et de restaurants du centre-ville. Vous savez, c'est une priorité pour nous. On a parlé d'investissements importants dans notre dernier budget pour la relance économique, dont le centre-ville, mais également donner un coup de main aux restaurateurs. Ils font partie de l'ADN de Montréal, la scène de ce qu'on appelle les foodies, hein, on a la chance d'avoir des chefs et toutes sortes de restaurants, une offre en restauration absolument incroyable. Alors, bien, vendredi, de vous parler de tout ça. Et d'ici là, bien, je vais vous souhaiter non seulement une belle journée, mais encore une fois, j'invite vraiment toute la population à aller se faire vacciner parce que quand on vous parle des efforts qui sont déployés pour donner un coup de main au centre-ville ou à la relance économique ou au restaurant, tout ça va prendre, tout ça n'a que de sens qu'au moment où la population est majoritairement vaccinée pour qu'on puisse retourner à une vie normale, ouvrir les restaurants, ouvrir les valves. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, chers citoyens et citoyens, à continuer à suivre les règles comme vous le faites si bien. Je nous félicite. Et bien sûr, allez vous faire vacciner si vous êtes éligible dans une des catégories. Mais là, maintenant, avec à la population générale, pas mal tout le monde est éligible. Alors, allez vous faire vacciner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, ça termine bien notre séance d'aujourd'hui. Alors, je remercie les membres du comité exécutif, de même que les gens de la direction générale et les gens qui nous accompagnent également. Je nous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre séance, celle qui précédera le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Merci. Bon mercredi tout le monde.